Bonjour encore une fois la famille, vous qui visionnez mes vidéos, surtout vous qui m'avez appelé en me donnant beaucoup d'éléments concernant la mort encore une fois de notre chère Blanche Tounassi, la femme légitime à Marcelo Tounassi le pasteur. Alors, tout le monde sait que c'est affaire de BBL. Tout le monde le sait, on ne peut pas se cacher, on ne peut plus se cacher. Mais alors on a quoi? Mais quand tout ce que je vais amener dans la vidéo ici, tout ce dont je vais dire dans la vidéo ici, mes chers amis, quand vous m'envoyez des messages, des commentaires, soit disant que laissez-la happer, n'éteignez pas dans les situations pareilles. Chers amis, n'oubliez pas que Pasteur Marcelo, c'est une personne publique, c'est une personne influente. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avant même la mort de sa femme, les gens avaient toujours l'esprit, toujours de critiquer, de faire des émissions concernant Marcelo Tounassi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui font des BBL. Beaucoup de personnes. Ce n'est pas seulement la femme à Marcelo qui l'a fait. Il y a beaucoup. Il y a également beaucoup de personnes qui meurent en faisant la même opération. Beaucoup de personnes perdent la vie. Ce n'est pas seulement la femme de Marcelo. Pourquoi l'opération de notre sœur Blanche a fait couler beaucoup de salive? Ce n'est pas parce que ce n'est pas à cause de BBL. C'est parce qu'elle est une personne publique. C'est parce qu'elle est une femme. C'est la femme du pasteur. C'est parce qu'également pasteur, c'est une personne qui fait parler de lui-même partout. En Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Congo, on parle de lui. C'est une personne influente. C'est une personne vraiment très influente. Ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas les réalités, soit la gravité de cette opération, vous devez savoir que, surtout les hommes, c'est que je vais d'abord exhorter les hommes, chers hommes, chers parents, quand vous vous engagez à épouser une femme avant qu'elle ait des enfants. Vous l'avez toujours adorée, vous l'avez toujours louée, vous avez toujours jeté des paroles d'amour, de gratitude montrées en affirmant sa beauté, comment elle est belle, comment elle est jolie. Vous avez toujours fait cela. Mais la femme-là, n'oubliez pas qu'un jour, elle va vous donner des enfants. Son corps va se transformer. Son corps va changer. En vous donnant les enfants, la femme là ne sera plus la femme que vous aviez connue à l'âge de 16 ans, l'âge de 17 ans. Elle ne sera plus la jeune fille. Elle sera appelée maman. Elle aura des transformations. Elle aura des vestir. Tout cela va venir sur le corps de votre femme. Alors, il faut accepter également les défauts, les changements qui va avec qui va avec les corps de vos femmes. Le papa aussi, est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que si, posez-vous la question, si votre femme avait les moyens et qu'elle vous donnait des conditions d'aller faire des BBL pour qu'elle se soit, qu'elle se sente confortable à côté de toi, vous êtes capable d'aller faire? Combien de papas, on les voit avec des gros ventres? Mais les femmes, vous allez voir une femme qui est très belle, avec des belles formes, toute jolie. Mais elle vous accepte comme ça, parce qu'elle vous avait choisi comme mari. Peut-être la femme avait déjà compris qu'un jour, vous prendrez du poids. Un jour, vous ne serez pas, vous n'aurez pas les six-packs. Un jour, vous ne serez pas, vous n'aurez pas les corps chocolat. Un jour, vous allez changer. Vous aurez des barbes grises. Les femmes le savent déjà. Mais elle vous accepte comme ça. Alors, cher homme, apprenez à comprendre que votre femme va se transformer un jour. Votre femme va changer. Elle ne sera pas la femme que vous aviez connue avant d'avoir les enfants. La mort de notre sœur Blanche, que ça puisse vous éduquer, vous les papas. La dame ici, elle a connu Marcelo. Attaque jeune, elle était à l'âge de la fleur. Son corps était encore dur, comme une jeune fille. En étant mariée,
Elle s'est sentie femme, aimée par un homme. La joie, la présence de son mari l'a donné un autre corps. Et il y a déjà des personnes qui grossissent dans la maison juste à cause du paix du cœur. Parce qu'elles sont à côté des maris qu'elles ont confiance. Aucun ont confiance. Ces gens-là deviennent vraiment. Et vous allez voir certaines femmes qui étaient encore célibataires, minces, dès après le mariage, elles prennent du poids. Ce n'est pas parce que. C'est parce que peut-être à cause de la joie, à cause de beaucoup de choses qui peuvent la faire donner du poids. Alors à cela, elles vont augmenter les enfants. Elles vont augmenter les enfants. Maintenant, la femme blanche ici, c'est aussi comme les gens le disent, avec des vidéos, des messages que nous recevons. La femme là, elle était menacée. Elle était menacée. Le problème de la maison n'est pas le problème qu'on voit en route. Et des fois, on lui dit, tu es devenue trop grosse, il faut essayer de changer, il faut faire ceci, tu es devenue grosse, tu n'es plus présentable, tu ne te contrôles pas, tu ne contrôles pas ce que tu manges, tu ne contrôles pas ta santé. Donc, elle était attaquée par tous les mots, par tous moyens. Tout ce qu'elle mangeait était critiqué. La façon de se comporter, même si elle dormait, oh, tu dors trop, c'est pour ça que tu prends du poids. Donc, elle ne savait même pas quoi faire. Alors, elle est arrivée à une condition, à une obligation de faire les bébés elle. Ça, ce n'est pas la première fois qu'elle est passée sous les couteaux. Elle est passée sous les couteaux pendant plus de 3-4 fois. Alors, la première fois, elle a changé. Pendant qu'elle avait diminué du poids, comme on avait, parce qu'on coupe, je ne sais pas, on coupe quoi pour diminuer de la graisse. Après cela, quand elle est retournée, il y a un moment donné, les gens voyaient que la dame là avait perdu du poids. Les gens se posaient des questions, pourquoi? Et souvent, on disait qu'elle est malade, elle va se sentir bien. Mais les gens oubliaient que quand on te coupe des choses là, comment tu peux manger encore? C'est une transformation, ça va prendre du temps. Et si ton corps n'acceptait pas cela, il y a des fois que tu ne vas pas être présentable. Vous allez comprendre, après l'opération, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps, surtout d'une femme. On connaît, nous qui aimons des femmes, nous qui avons des mamans, des grands-papas, des tantes, nous savons comment, et des sœurs, nous savons comment le corps se transforme. Surtout quand tu grandis, tu vois tes parents, tu vois tes sœurs, tes tantes, tu vois comment vous tous vous grandissez ensemble, vous voyez les transformations, on les voit vraiment visiblement, et on sent que, en tout cas, au près de l'âge, soit on grandit. Alors, la dame ici, elle était dans des confusions. Quand elle diminuait, elle perdait les poids, elle était également menacée. Au point dit, tu es devenue trop mince, il faut manger. Sauf que quand elle mange, tu manges trop, tu vas devenir grosse. Alors, il y avait beaucoup de gens, mais comme elle était là pour soutenir son mari, avec la tradition bantoue, la tradition africaine où on doit toujours respecter les maris, et encore une fois, elle était la femme des pasteurs. La femme d'un pasteur, ce n'est pas la femme d'un musicien. Entre parenthèses, tout le monde dans la communauté congolaise sait que la copine de Fally Ipupa, qu'on appelle Nana Ketchup, elle a déjà passé dans les mêmes opérations. Mais là, elle est encore vivante. Elle aussi, on ne sait pas si elle était soumise à des pressions de Fally Ipupa pour qu'elle puisse aller se transformer, se faire le corps, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, qu'elle est passée par la Turquie pour faire la transformation physique qu'on appelle toujours BBL. Ça, c'était entre parenthèses. Alors, comme la pression était vraiment accrue dans la maison des Blanches, comme on le dit toujours, elle a été soumise à des opérations. C'est la troisième opération qu'il a pris. Tout cela, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont passés par les trois, quatrième. Mais celle-ci, Si l'opération ici a pris son âme, peut-être c'était un conseil au pasteur. Peut-être c'était un conseil également à l'assemblée de Dieu. Peut-être c'était un conseil à des personnes qui font de telles choses. Soit aux hommes, parce que surtout je pense que c'est un conseil, c'est une alarme, un appel aux hommes qui sont très rigoureux envers la transformation de leurs épouses. Chers amis, encore une fois, l'heure est grave.
L'air est grave, l'air est grave. Nous vivons les moments où les hommes de Dieu ne veulent pas céder à la gloire. Ils veulent toujours être glorifiés. À cause de la gloire, comme monsieur, pasteur Marcelo, voulait avoir une gloire d'avoir une femme qui a des rondelles. Malheureusement, sa femme avait déjà 3 enfants et elle avait également pris de l'âge. Donc, elle ne pourra pas représenter la femme que monsieur Marcelo connaissait il y a 20 ans. C'était impossible. Si Marcelo avait besoin de voir une figure de la fille de 15 ans, c'était impossible puisque Blanche avait déjà pris de 30 ans. Elle avait déjà pris de l'âge également. Elle a grandi. Alors, c'était impossible et inconcevable de voir une personne qui a 39 ans de ressembler à une personne de 22 ans ou 23 ans. C'était quasiment impossible. Alors, avec le stress, les dépressions qu'elle connaissait dans la maison, les injures, je ne sais pas si ça pourrait exister, les dénigrements, les dédains qui étaient là, avec des soucis qui étaient accompagnés, tout en regardant ses enfants, la femme devrait se soumettre à son mari. Et cette soumission-là l'a envoyée à la mort. Alors, vous les femmes, ce n'est pas toute parole qui vient de vos maris qui sont acceptées. Je sais que la soumission est bonne, mais on ne se soumet pas à n'importe quoi. Si votre femme vous dit de manger le caca, est-ce que vous allez manger ça? Si votre mari vous envoie d'aller faire la prostitution, si vous êtes une femme vraiment responsable, est-ce que vous allez faire ça? Si vous savez que vous n'allez pas faire cela, vous n'allez pas céder à de telles bêtises, pourquoi, à plus forte raison, vous allez au-delà des paroles, vous allez au-delà de vous-même pour aller détruire votre corps juste pour plaire à votre mari? Comment cela peut être possible, mes chers amis? Comment cela peut être possible? Tu as une vie à toi, une vie entière. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu deviens une propriété privée. Ce n'est pas comme ça. Tu es marié à quelqu'un. Le jour où la personne va mourir, tu n'iras jamais avec la personne-là. Ou bien le jour où tu vas mourir, la personne-là ne va pas te suivre. Chacun a sa vie. Aujourd'hui, Blanche est parti. Est-ce que Marcelo est parti? Aujourd'hui, Blanche est parti. Mais Marcelo est resté. Vous pouvez voir dans 5 à 6 mois, il va se taper une autre femme. Toi, tu seras parti, mais lui va continuer à vivre sa vie. Alors, il faut faire attention avec vos soumissions. Vous, les hommes également, faites attention avec vos obligations. Il y a des obligations qui ne sont pas à écouter, chère femme. Il y a des obligations qui ne sont pas à écouter. Il faut résister aux tentations. Résister encore aux tentations. S'il te faut mourir, soit aller manger des légumes, sa viande, et vivre avec votre honneur, c'est mieux. Mieux vaut vivre avec la paix du cœur que de vivre dans une maison où on vous donne toutes sortes de choses, tout à vous, tout en prenant votre dignité. La dignité de quelqu'un ne s'achète pas. Vous êtes une personne créée à l'image de Dieu. Quand vous avez des vestiges, c'est bien. Il faut être fier de ça parce que ça montre que vous aviez connu des enfants, vous aviez fait des enfants, vous aviez mis au monde quelques enfants. Si votre mari dit que vos seins sont trop gros, il faut diminuer ça. Il faut lui dire que si lui ne veut pas, il n'a qu'à quitter. Il faut être fier de ton corps. Que tu aies des petites fesses, des grosses fesses, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Si un mari va t'aimer, il va t'aimer avec tout ce que tu as. Que ça soit petit, que ça soit gros, la femme-là va t'aimer comme ça. Le mari va t'aimer également comme ça. Apprenez à discipliner vos partenaires. Apprenez à parler à vos pasteurs, à vos partenaires. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur que vous allez écouter tout ce qu'ils disent. Il y a certains pasteurs qui vont utiliser des petits versets bibliques pour vous mentir. Certains pasteurs vont vous dérouter juste parce qu'ils ont besoin de vous. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, on a perdu Blanche. Peut-être demain, on va perdre Nana Ketchup parce qu'elle aussi, elle aime ça beaucoup. Il y a beaucoup de personnages publics qui ne
mettre pas de telles choses sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle on parle de Marcelo à tout moment, c'est parce que c'est une personne très très populaire, une personne très publique, une personne vraiment influenceuse. Alors on est obligé à parler de lui. On est obligé de toute manière de parler de ce monsieur-là, puisque c'est une grande personnalité. Moi, je vais finir la vidéo ici tout en vous disant que ça, c'est une vidéo juste de vous donner les suites de la mort de notre sœur Blanche Tounassi. Il y a certaines personnes qui vont aimer la vidéo. Alors, si vous êtes parmi les gens qui vont aimer la vidéo, n'oubliez pas de mettre des j'aime, commenter si vous avez des commentaires, partager si vous avez... Vous avez mis le contenu pour que d'autres personnes également puissent apprendre part. Alors, je fais mes coucou, salutations à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin ici. Je ne connais pas vos noms, mais en tout cas, je suis fier de vous. Je suis fier de votre soutien. Merci à tous ceux que vous faites avec la chaîne de Chronique Guinness TV. Salutations à Christine MM, toi qui as toujours été là pour moi. Également, tous ceux qui veulent écouter les vidéos de motivation par là du Canada, États-Unis, l'Europe, toutes sortes de motivations concernant les visas, les travails, comment immigrer, comment se poser des questions d'immigration. La chaîne de Gilmas, les motivateurs, est là pour tout le monde. Ça peut être impossible de répondre à des appels téléphoniques à chacun de vous. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Il y a certains qui m'appellent et j'oublie leur nom. Ils m'ont, il y a des personnes également qui m'ont demandé des services. Il y a des fois, je perds les contacts. Alors, pardon à tous ceux qui m'ont appelé et que je n'ai pas été capable de répondre à vos questions. Dès que je vais me rappeler de vos numéros de téléphone, je vais vous appeler et vous donner votre réponse exacte. Mais c'est encore une fois impossible, soit difficile, de répondre chacun, une personne par personne. Si j'ai 14 appels, je n'ai pas même sauvegardé, quelqu'un me pose une question. Hier, je n'ai pas également beaucoup de temps. Je travaille toute la journée. C'est quand j'ai le temps le soir, c'est le moment où je me sacrifie pour faire des vidéos. Alors, on se revoit très bientôt. Je ne vais pas être trop long dans la vidéo ici. Commentez, partagez, c'est votre frère Gilmas. À plus. Bye.